Chez vous, Perry Cochard, Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Elsa Fayère et Christophe Alévêque. Très joliment habillée, je dois dire, Elsa Fayère. Merci, c'est très gentil. Très élégante. Très... C'est fini le côté M6, pop, fun, terminé. Je suis jeune. Terminé, je suis très France 2 maintenant. Ah, c'est fou ça. C'est dingue. Pourquoi France 2, c'est mal habillé? Vous avez été griffé par votre chat? Non, j'ai fait une petite chute en moto. Maman, tout va bien. Voilà, parce qu'elle n'est pas au courant. Bah oui, elle t'inquiète pour la moto, c'est elle qui l'a payée. Je veux bien qu'on parle des vêtements des uns et des autres, de tous ces grands événements du monde. Mais il y a un événement considérable aujourd'hui. Ah, merci. Oui, il faudrait le souligner. L'anniversaire de Pierre Bénichou. Mais oui. Mais non, mais arrêtez. Bon anniversaire. De passer à la photo du jour, c'est celle de Dominique de Villepin qui, lui, n'a pas encore tous ses points. Il était hier au salon de l'agriculture. Le Premier ministre, regardez cette photo, a même reçu un béret en cadeau, sûrement pour lui rappeler qu'il était au plus basque dans les sondages. Monsieur Dominique de Villepin, en tout cas, au salon de l'agriculture, il faut le savoir, ça fait partie dans son agenda du programme de ses voyages à l'étranger. Attention, hein. Alors là, il s'est quand même senti très à l'aise, le Premier ministre, au salon de l'agriculture. Regardez, le Figaro nous montre même qu'il a pris une chevrette noire sur ses épaules. C'est quand même fou. C'est son côté Nelson Biquette, hein, sûrement. Il voulait, en fait, savoir comment ça faisait un col de fourrure sur le haut de sa gabardine pour pouvoir passer l'hiver plus au chaud. Ouais. Là, en plus, que... c'est quand même. Faut être gonflé pour mettre une chevrette comme ça autour de son cou, non? Justement, je me demandais. À cause de l'odeur. Bon, vous allez me dire que les animaux s'habituent à la longue, mais quand même. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est prémédité? Avant d'y aller, son conseiller en communication lui a dit: bon, non, tu mettras une petite chose sur le dos. Non. Et... non, non, c'est un coup de génie qu'il a eu. Ah, en plus, il a tout goûté au salon hier. La presse nous le dit. Il faut dire qu'il déguste pas mal en ce moment, le Premier ministre. Tartines de pâté, fromage, saucisson, poulet, évidemment. Du poulet, encore du poulet. Regardez, toujours. Du poulet, sûrement pour concurrencer Nicolas Sarkozy, le numéro 1 de la volaille pour l'instant. C'est terrible parce que ça marche pas, quand on n'est pas dupe, il aura beau faire, c'est un mauvais casting, c'est pas pour lui, il n'arrive pas à faire populaire cet homme-là, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il a mal compris, je crois qu'il est plus sourd que Chirac qui lui a dit tu pourras prendre en levrette une agricultrice, il a compris tu pourras prendre une chevrette à l'agricultrice. En fait, on aurait dû garder Jean-Pierre Raffara en pleine période de grippe aviaire. Franchement, le père Dodu à Matignon, ça aurait quand même été plus rassurant. Le salon de l'agriculture étant devenu la nouvelle ferme des célébrités, hein, ils ont piqué ça à TF1, finalement les politiques y passent tous, on vote et il faudra n'en garder qu'un à la fin. Ou une, peut-être Ségolène Royal, qui elle aussi a fait le déplacement hier, on en a partout dans les journaux ce matin. Là on la voit caresser Lionel Jospin dans le sens du poil. Plus loin on la verra caresser un taureau poitevin et elle pense tout bas, ça me rappelle cette vache de Hollande. En tout cas, ça prouve que dans le couple Hollande-Royal, c'est bien Ségolène qui porte la culotte, car c'est elle qui est au salon pendant que François Hollande est en cuisine. Par contre, elle a pas beaucoup goûté les produits régionaux. Elle est pas folle. Sa ligne. Eh bien, il va falloir qu'elle choisisse entre régime alimentaire et régime présidentiel. Ah. Oh, c'est idiot ce que tu dis. Tragique. Comment ça, non, c'est idiot? Ah ouais, c'est complètement idiot. Ah, mais c'est vrai que le pouvoir, c'est on voit la limite des femmes au pouvoir, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est sans piffrer au salon de l'agriculture. Non, mais t'as pas vu. J'ai envie d'énerver Annie et ça marche, mais alors vraiment très bien. En tout cas, revenons au salon de l'agriculture plus sérieusement avec les vraies bêtes médaillées, parce qu'il y a quand même des concours, la plus grosse vache, la plus grosse laitière, il y a des médailles. En fait, les bêtes montent sur les podiums et on leur donne des médailles. Et c'est bien parce que finalement, c'est un prolongement de ce qui s'est passé la semaine dernière avec les Jeux Olympiques d'hiver. Cette semaine, c'est les Jeux Olympiques de Purin.
Passons à la fameuse photo de chat maintenant avec le premier cas de félin porteur du virus H5N1. Un chat retrouvé mort en Allemagne. Alors ça c'est terrible évidemment pour la vente des albums de Philippe Gueluc, hein, du chat allemand au chat belge, il n'y a qu'un pas. Mais en fait on a vraiment la photo du vrai chat contaminé, regardez, voilà. Ben, c'est vrai, il y a un moment qu'on n'a pas vu Titi quand même. Cette grippe aviaire pourrait en tout cas avoir des conséquences terribles pour l'organisation des prochains Jeux Olympiques. En effet, on le voit, les chats bouffent des oiseaux morts, les chiens bouffent des chats, les Chinois mangent du chien, c'est sûr, les JO de Pékin vont être annulés. Bon, ça vous inquiète ce chat mort alors, Non, il y en avait déjà en Asie qui étaient morts, donc c'est pas... Évidemment, c'est un mammifère, mais bon, pour l'instant, c'est... C'est l'Allemagne, c'est encore plus proche. Non, mais il n'y a toujours pas de contamination d'homme à homme, c'est ce qu'il faut voir. S'il y a déjà une contamination de volaille à chat, il peut y avoir une contamination de chat à humain. Mais le chat, il l'a bouffé cru, l'oiseau. Non. Dites, alors, voilà un conseil qu'il faut donner aux chats. Ne mangez pas les volailles crues, faites-les cuire. Voilà. Exactement. Non, mais c'est très grave, parce que... Jusqu'à présent, on nous disait que ça ne sautait pas les espèces. Tu veux dire qu'en bouffant une chatte, on peut avoir la grippe aviaire? Je me demandais qui allait le faire. Tu vois, ça m'inquiète. Une autre photo, celle de Fabien Barthez, choisi, vous le savez, par Raymond Domenech pour jouer ce soir contre la Slovaquie, un match amical, certes, mais c'est un sale coup, en fait, pour Fabien Barthez d'avoir été choisi plutôt que Grégory Coupé. Bah oui, lui faire garder la cage des coqs tricolores en ce moment, c'est pour l'achever avant le mondial. Et alors, étonnant, l'histoire de Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur des Bleus, qui a présenté hier des propositions pour qu'il y ait plus de buts dans le championnat de France de football. Trop stérile, il n'y a pas assez de buts dans le championnat. Alors il a fait 6 propositions, je vous propose de les regarder, moi j'ai tout le détail. Il propose, Michel Hidalgo, que désormais dans le championnat, 2 points pour un nul avec des buts, un 0-0 ne rapporterait plus qu'un point à chaque équipe. 2 points pour l'ouverture du score dans un nul, l'équipe étant revenue à la marque, elle devrait se contenter d'un point. Des tirs au but en cas de nul, dans ce cas le vainqueur des tirs au but glanerait 2 points, son adversaire un seul. Un bonus offensif et défensif, bonus pour 2 buts d'écart, bonus sur l'aller-retour, après le match retour, un point supplémentaire serait attribué. Bref, c'est plus du football, c'est du sudoku. Tu m'étonnes. Le seul vrai progrès, ce serait d'avoir les matchs filmés et qu'on puisse avoir des ralentis en cas de doute sur certains jugements. Ça change rien au but. Filmer les matchs de foot, moi je pense que c'est une super bonne idée. C'est pour qu'il y ait plus de buts dans les matchs. Qu'il y ait un ralenti, ça ne changera rien. Hein. Mais si, mais tout ça, c'est du charabia, vous le dites vous-même. Occupez-vous d'autre chose. Mais non, mais pourquoi? Tu ne trouves pas que pour le tricot, il faudrait une maille à l'envers? En tout cas, tu penses. Ça dépend si on fait des points croisés. Autre photo ce matin dans les journaux. L'homme qui droguait les adversaires de ses enfants dans les tournois de tennis. On se demande ce que fout le papa de Justine Hénin. H5N1. Et bien, il a commencé à empoisonner tout le monde. On termine avec cette phrase de Tom Cruise. Ça, c'est formidable, c'est dans Gala. Ouais. Aujourd'hui, regardez, Tom Cruise qui dit « Ma femme est tellement heureuse qu'elle sourit même quand elle dort. » Eh ben, c'est beau, c'est Tom. Il faut que quelqu'un lui dise que les actrices américaines, elles peuvent pas faire autrement à cause du lifting. Ouais. Vous souriez quand vous dormez, vous, Annie? Non, pas toujours. Bon, merde. Nous allons recevoir maintenant le philosophe et aussi ancien ministre de l'Éducation sous l'ère Jean-Pierre Raffarin, Monsieur Luc Ferry. La semaine dernière, Monsieur Ferry a sorti « Apprendre à vivre, traité de philosophie à l'usage des jeunes générations », c'est aux éditions Plon, un cours d'histoire des grandes pensées philosophiques au travers duquel Monsieur Ferry tente de montrer que la philosophie est d'une grande utilité dans la vie de tous les jours et surtout dans nos sociétés, parce que la philo permet d'une part de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et d'autre part réussit parfois aussi à nous faire sortir, la philo, à sortir avec des belles jeunes femmes comme par exemple Ariel Dombal. Pour parler de ce livre, accueillons le ministre, ancien ministre, mais on doit toujours dire ministre, Luc Ferry. Bonjour. Est-ce que vous aimez qu'on vous dise encore bonjour, monsieur le ministre? Non, pas spécialement, mais enfin, non. Vous pouvez. Hein, monsieur le philosophe, vous préférez? Monsieur, vous pouvez laisser tomber, et philosophe aussi. Luc, ça ira très bien. Luc, alors, voilà. Ok.
Je peux même utiliser le tutoiement, puisque vous utilisez vous-même le tutoiement dans ce livre. L'idée de ce livre vous est venue, je crois, lors d'un dîner entre amis. Quelqu'un vous a mis en quelque sorte un peu au défi de donner une leçon de philosophie à vos amis présents, aussi bien les adultes que les plus jeunes. Et vous avez tenté un peu d'oublier le vocabulaire habituel, on va dire, de la philosophie ou des profs de philo, pour tenter, si ce n'est de vulgariser, en tout cas de résumer, de traduire la pensée philosophique à travers les âges. Oui, c'est des amis qui m'ont demandé de faire un cours à la fois pour les parents et les enfants qui étaient là. Et au premier rang, il y avait ma fille qui avait 12 ans, ce qui explique quand même aussi beaucoup le tutoiement, parce qu'évidemment, c'est à elle que je m'adresse. Ouais. En tout cas, ici, tout le monde a apprécié ce livre, Annie Lemoine. C'est sympa. Bah, évidemment, Luc. Mais c'est vraiment bien, parce qu'effectivement, je sais, quand on connaît rien à la philosophie, ou quand on a raté ses cours de philo de terminale, ou quand on va aborder la philosophie au lycée, on peut lire ça d'abord, et ça donne envie. Et on se rend compte que la philosophie, c'est quelque chose de très simple, en fait, c'est que des gens avant vous ont réfléchi à comment vivre avec l'idée qu'on va mourir. Je me lance. Non, mais c'est vraiment le point de départ de la philosophie. Quand vous lisez les premiers philosophes grecs, ils partent tous de la même question, qui est en effet la question de la mort. Et comment vaincre la peur de la mort, étant entendu que cette peur de la mort, ce n'est pas simplement la fin de la vie, mais c'est aussi mille choses à l'intérieur de la vie, c'est-à-dire tout ce qui ne reviendra plus jamais. Ça peut être un déménagement, ça peut être un divorce, ça peut être une maison qu'on quitte pour toujours. Et ça, ça se décline en plein de petites peurs. Alors évidemment, les grandes religions prennent ça en main. La psychanalyse, si l'ami Gérard Miller était là, vous dirait aussi que c'est la meilleure arme contre la peur de la mort. Mais moi, je crois que c'est la philosophie. Mais chacun, évidemment. Et j'aimerais vous poser une question, en fait, comme si vous étiez mon professeur. Allons-y. Alors, pensez-vous, on vit dans une époque particulière. Ouais. On a conscience, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, que l'espèce humaine va disparaître. Ce sont les scientifiques qui nous le disent. Le soleil va... Est-ce que ça change quelque chose, selon vous, au niveau individuel ? Non, enfin, à mon avis, non, parce que pour que ça change quelque chose au niveau individuel, il faudrait l'intégrer sous forme d'une peur particulière. Par exemple, juste pour être très simple, je ne connais pratiquement personne qui n'ait pas de phobie. La première phobie, c'est la peur du noir. Et la peur du noir, c'est le premier visage, si je puis dire, la peur de la mort. Pierre ! Bah moi, je mettrais 14,5 sur 20. Parce que je trouve que c'est très bien. C'est la mention bien. Ce que j'adore dans votre livre, c'est que vous dites... Ouais. Vous montrez à quel point vous méfiez des religions, et des, quelles qu'elles soient, et celles qui apportent le salut de l'autre, la transcendance, quelque chose fait votre salut, et vous êtes un plaidoyer pour la liberté, justement pour son propre choix, et que le salut ne peut venir que de vous. Et puis quand même, vous envoyez vos filles à l'école religieuse. Alors pourquoi ? D'abord parce que je pense qu'il faut... Enfin, moi, je ne suis pas du tout croyant, mais je pense qu'il faut passer par la découverte des grandes religions. On n'a pas besoin de croire en Dieu pour adhérer à ces philosophies. Et donc, en ce sens-là, oui, je ne suis pas du tout croyant, mais j'ai un immense respect pour les grandes religions et je n'ai absolument aucun mépris à l'égard des gens qui sont croyants. Simplement, la croyance, la foi, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer, si vous voulez. On ne peut pas faire exprès d'être croyant. Maintenant qu'on a parlé du bouquin, je voudrais parler de vous parce que je suis allé sur... gouv.org, puisque vous avez quand même été le ministre de l'Éducation nationale. En tant que ministre de l'Éducation nationale, vous étiez plutôt en bonne compagnie, puisqu'il y a eu Alain Savary, Chevènement, Monoury, Jospin, Jack Lang, François Bérou deux fois, Claude Allègre, Luc Ferry, François Fillon. C'est pas que des couillons, quand même, hein ? Et vous avez tous essayé de faire changer la machine. Alors, et ça n'a pas marché. Par exemple, dans mon cas, mais ça vaut pour les autres, quand j'arrive en mai 2002 au gouvernement, la rentrée de septembre, et les gens ne le savent pas, elle est faite, elle est bouclée déjà depuis décembre 2001. Et donc, dans l'éducation nationale, il vous faut au moins un an et demi avant de commencer à mettre en place le début de l'embryon d'une petite réforme. Et donc, comme la moyenne de vie des ministres de l'Éducation nationale dans la Ve République, c'est justement un an et demi, nous n'y arrivons pas. Et ça fait hier. Alors moi, j'ai été assez intriguée par votre bouquin parce que je dois vous avouer que je n'avais pas ouvert un livre de philo depuis ma terminale et je n'avais pas eu très envie de relire de la philosophie après cette dernière année avant le bac. J'ai bien aimé votre bouquin, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à lire le chapitre 1, « Qu'est-ce que la philosophie ?», vous commencez par dire « Je vais donc te raconter l'histoire de la philosophie ». Pas toutes, bien sûr, mais quand même, ces cinq plus grands moments. Chaque fois, je te donnerai l'exemple d'une ou deux grandes visions du monde, ou comme on dit parfois, d'un ou deux grands systèmes de pensée.
Alors, moi, je me suis dit, il me prend un petit peu pour une nouille. Déjà, il commence par me tutoyer. T'es parano. Déjà, il commence par me tutoyer. Ensuite, il veut m'apprendre la vie et la philosophie. J'étais un petit peu sceptique, en tout cas, sur la formule de départ de votre bouquin. Cela dit, j'ai été très intéressée parce que vous avez décrit les choses de façon assez succincte. Vous avez donné les 5 grands courants de pensée. Moi, la question, c'est, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu dérangée que la foi l'emporte parfois sur la raison? Alors, les grandes religions, elles vont vous promettre quelque chose de formidable. C'est pas simplement de surmonter la peur de la mort, mais c'est de surmonter la mort elle-même. Le christianisme, il vous promet une chose qui est formidable, c'est que vous allez retrouver, après la mort, les gens que vous aimez. Alors que la philosophie, elle est d'une certaine façon plus modeste dans les projets, puisqu'elle dit, on va pas vous donner l'éternité, on va pas vous donner l'immortalité, vous ne retrouverez pas ceux que vous aimez, mais on va vous permettre de vaincre la peur de la mort par l'exercice de votre raison, c'est-à-dire par vous-même. En quoi elle est à la fois arrogante, prétentieuse, puisqu'on dit « vous allez y arriver par vous-même », mais en même temps modeste, en ce sens qu'elle ne vous promet pas l'immortalité réelle. Ça, je trouve que c'est grandiose, quoi. C'est en plus génial. Ouais, on a la grande différence avec la psychanalyse, c'est que la philosophie, c'est que la philosophie, en fait, on a l'impression qu'elle vous rassure terriblement parce qu'il y a d'autres gens intelligents qui ont réfléchi avant vous, si vous me permettez. Alors que la psychanalyse, c'est une recherche tout à fait personnelle. Oui. Péricochin. Alors. L'évangile selon saint Luc. C'est le seul qui n'était pas juif, mais enfin, il était bien quand même. En l'ayant lu, j'ai trouvé déjà que votre accroche est pas bonne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous vous adressez aux jeunes générations pour les rassurer concernant la mort, pour pas qu'ils aient peur de la mort. Et je trouve que, a priori, c'est un contresens, puisque les jeunes, par essence, n'ont pas peur de la mort. Ils sont tellement loin de la mort qu'ils n'en ont pas peur. Oui. Donc, je trouve que quand vous dites « je m'adresse à ma fille » ou aux autres qui ont 12 ans, 15 ans, 18 ans, ils ne pensent pas à la mort, ou très peu d'entre eux pensent à la mort. Donc... Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais en même temps, justement, ce que j'explique au début du livre, je le disais tout à l'heure un petit peu comme ça, la mort, ce n'est pas simplement la fin de la vie, c'est aussi 1000 choses à l'intérieur. Et pour un enfant, par exemple, une incarnation de la mort, ça peut être le divorce des parents ou, comme je disais, le fait qu'on quitte une maison et qu'on la retrouvera plus jamais. Et au fond, même les enfants très petits, d'ailleurs, vous le savez, moi j'ai fait des cours en cours préparatoire sur la mort parce qu'il y avait une petite fille dont les parents étaient morts dans la classe et la maîtresse m'a demandé de venir pour parler de la mort aux enfants parce qu'ils étaient très traumatisés. Et j'ai vu au contraire de ce que vous dites, pardon, hein, mais que les petits, mais tout petits, sont des vrais métaphysiciens et qu'on peut vraiment parler de choses absolument fondamentales, y compris de la mort avec eux, du moment qu'on trouve la bonne, le bon niveau et la bonne accroche. Voilà. Alors il ne faut pas parler de la mort au sens où à 92 ans, on casse sa pipe, comme on dit. Christophe. Avant de le dire, votre livre, je me suis posé quelques questions fondamentales. En tant qu'intellectuel de droite, est-ce que Luc Ferry est encore utile à la pensée moderne en général? Est-ce que vous êtes obsolète du bulbe comme la plupart de nos penseurs, ou encore en état de marche? Parce que si on fait un traité de philosophie, même vulgarisé, il faut quand même qu'on avance. Voilà, est-ce que vous êtes, vous qui êtes très brillant, est-ce que c'est simplement pour vous éclairer le nombril, ou alors servir de lumière, de lumière au monde? Et c'est donc empli de ces doutes que j'ai appris à vivre grâce à vous dans ce livre, et j'ai été très vite rassuré. Moi, j'ai trouvé le livre passionnant. Mais vraiment passionnant, et je suis tombé sur la phrase. Je crains le pire. Nous permet de comprendre que la mondialisation libérale est en train de trahir une des promesses les plus fondamentales de la démocratie. Bravo, mais ça, je le savais déjà. C'est quand même bien de le rappeler, surtout quand on a été dans le gouvernement Raffarin ultralibéral. Puis cette autre phrase de conclusion... J'ai, je crois, élargi l'horizon qui était le mien il y a encore quelques temps. Si on rapproche ces deux phrases, finalement, Luc Ferry est devenu un intellectuel de gauche. Non, c'est pas idiot, mais enfin, si je peux me permettre. C'est pas idiot. Bon, en gros, est-ce que vous allez voter à gauche aux prochaines élections? Non, je vais vous dire, non. Je suis pas un libéral, mais je pense que la France, en ce moment, pour des raisons qu'on va pas analyser parce que ce serait ennuyeux, elle a besoin d'une petite cure libérale. Parce qu'on a 2 milliards de dettes, enfin, je veux pas être ennuyeux, mais c'est un vrai problème. Et donc, je pense qu'on est sûr... est protégé par l'État-providence, c'est que trop d'État-providence finit par tuer l'État-providence. Sinon, je serais un social-démocrate. Par ailleurs, je crois que la mondialisation, elle nous pose un gigantesque problème, et notamment pour les vrais libéraux. C'est que
un certain nombre de choses échappent aux hommes politiques de niveau national, même énormément de choses leur échappent. Et la vérité, ils ne le disent pas, mais c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup moins de pouvoir que les gens n'imaginent qu'ils en ont. Donc, vous pouvez, quand vous arrivez, il y a les tapis rouges, tout le monde est à plat ventre devant vous. Vous voyez des gens adultes qui viennent vous voir dans votre bureau et qui tremblent de peur parce qu'ils vont parler au ministre. Bon, donc vous croyez que vous avez du pouvoir. Et si vous êtes fou, vous pouvez vous imaginer que c'est ça le pouvoir. Mais ce n'est pas vrai. Le vrai pouvoir, ce serait de faire en sorte que les gamins apprennent à lire et à écrire convenablement au CP. Ben, ça, je ne l'ai pas. Voilà. Ou alors, il faudrait que je reste beaucoup plus longtemps. Et je suis même pas sûr que j'y arriverai. Apprendre à vivre, traité de philosophie à l'usage des jeunes générations, c'est chez Plomb. Restez avec nous. Vous choisirez parmi ces trois albums celui que vous emporterez avec vous à la fin de cette émission. Avant, ouais. Je vous propose d'écouter les avis de Jean-Bernard Hébé. On commence, Jean-Bernard, par Arctic Monkeys. Les Arctic Monkeys, c'est le groupe dont tout le monde parle en ce moment. Donc, c'est la génération du fast-food. Donc, ce sont nos sales gosses. Et ils sont là pour nous faire honte. Et ils réussissent. Dans l'histoire du rock'n'roll, ça restera une petite flatulence, mais c'est intéressant. Whatever people say, I am that what I'm oui. not. Pourtant, titre... vous aviez pris... C'est un titre d'album très long, mais c'est plus simple si je donne simplement le titre du single dont on va voir un extrait, When the Sun Goes Down. Pierre Benichou. Oh, j'aime beaucoup. Oh, le menteur. Christophe. J'adore les sales gosses et je trouve que c'est vachement bien. On le met de côté, on passe à l'album Comta d'Agnès Jaoui. C'est son premier album en tant que chanteuse. Alors, Agnès Jaoui, elle est très, très irritante. Elle est bonne comédienne, elle est bonne metteuse en scène. Et puis, maintenant, elle est très irritante en tant que chanteuse parce qu'elle chante exceptionnellement bien des chansons en espagnol. C'est bien. La chanson Sueno Ideal, extraite de l'album Comta, Agnès Jaoui. Y de tanto dolor que le dio se la quitó y ahora soy yo quien recibe el dolor. El flechazo volvió hiriendo mi corazón. Hiriendo mi corazón. Premier album d'Agnès Jaoui. Eric. À fond pour, je la trouve pas du tout irritante et je l'ai jamais trouvée irritante. Elsa. Une belle surprise, elle a une superbe voix. J'aime beaucoup la personne qui l'accompagne sur son album. Je trouve qu'il a une voix encore plus sensationnelle qu'elle. Comment il s'appelle ? Je sais pas. À l'évêque. C'est très bien, d'autant plus que c'est réussi. Bravo. Autre style, autre genre. Alors, expliquez-moi, Booba, c'est le chanteur, Boobie, c'est l'album ? Alors, d'abord, moi, je trouve que c'est une honte de passer ça. On confond analphabète et poète. On voit un mec qui est là, qui traite les femmes comme des péripatéticiennes, si c'est ce que veut dire ce mot, qui se promène avec des flingues à la main. Écoutez bien ce qu'il chante, écoutez bien ce qu'il dit, et regardez ce qu'il fait. Dans son clip, on voit quand même un acte de cannibalisme. On prend des Turcs qu'on met dans un réfrigérateur et à la fin, on voit un mec qui le bouffe. Ça va quand même. Il s'appelle Booba, l'album West Side et la chanson Booby. J'en l'air sur la piste, MC gardez la pêche, vous n'êtes pas sur la liste. C'est pas la rue mais l'être humain qui m'attriste. Comment leur faire confiance, ils ont tué le Christ. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, clasher du pif. Pas d'embrouille man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? Il a l'air très costaud, moi je trouve ça très bien. Non mais, si vous n'écoutez que la musique, c'est très bien, c'est une copie de ce qui se fait aux États-Unis, donc c'est des singeries, c'est très facile à faire. Maintenant, je demande la protection de la police dorénavant, puisque, vu ce que j'ai dit. Annie mais... Lemoine. Bah, ça m'embête l'histoire des Turcs dans le frigo, moi. Bah oui. Enfin, il y a au bon des bulgares. Christophe à l'évêque. Moi, les mecs qui font de la muscu, ils m'énervent. Vous aimez bien moi, Booba. Moi, j'aime bien ça, moi j'aime bien Booba. Je trouve que c'est bien, mais je préfère les types un peu plus virils, plutôt que les types qui font les trucs avec les muscles et tout ça. En général c'est des fiottes, quoi. Tu sais, ils font des machins comme ça et tout. Les vrais hommes, ils sont là, ils sont un peu plus âgés, ils ont un peu de vent. Et c'est leur anniversaire. Il faut en choisir un des trois. Luc Ferry, vous emmenez Arctic Monkeys, Agnès Jaoui ou Booba? Agnès Jaoui, évidemment.
Et ben voilà, c'est un intellectuel de gauche, c'est ce que je disais. Luc Ferry était venu sur notre plateau, je le rappelle, pour nous présenter son livre « Apprendre à vivre, un traité de philosophie à l'usage des jeunes générations », c'est chez Plon. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Merci bien. Salut, jeune homme. À l'heure où les tensions entre communautés juives et musulmanes sont vives, on le sait, où les préjugés à l'encontre de ces deux religions sont encore nombreux, Kenza, Braïga et Olivia, 4 ans, l'une musulmane, l'autre juive, ont décidé d'écrire ensemble « Deux femmes en colère, juives ou musulmanes, citoyennes et libres ». Un livre paru hier aux éditions Ramsay dans lequel les deux auteurs poussent un coup de gueule contre une société qui a parfois tendance à attiser les haines. Ce livre, c'est aussi un dialogue évidemment entre deux représentantes de deux communautés religieuses différentes qui ont souvent, hélas, l'habitude de s'affronter. Pour parler ensemble, vivre ensemble de cet ouvrage, eh bien, accueillons tout de suite Kenza Braïga et Olivia Catan. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Vous auriez pu être sélectionné par la célèbre radio qui montre des affiches un peu partout en France en ce moment. Vivre ensemble, ça aurait pu être ça aussi. Le titre de votre livre, Deux femmes en colère. Alors en ce moment, vous devez être particulièrement en colère parce que je dois dire que le livre tombe effectivement à pic. Il y a eu cette manifestation où vous étiez toutes les deux dimanche dernier pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Moi, j'ai pas voulu parce que c'est vrai que c'était une bagarre déjà entre De Villiers, entre Le Pen, etc. Moi, ça m'a... Personnellement, ça m'a fait... Et vous, Kenza, bah, écoutez, vous y étiez. Oui, j'y étais, mais c'est vrai que j'ai tout de suite vu justement ce que Olivia pointe du doigt, c'est que justement les partis politiques et les associations étaient là. Et c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était un peu une guerre médiatique, quoi. Moi, je suis désolée, quand on va dans ce genre de manifestation et en plus on est parti pour soutenir la famille d'Ilan, on met sa casquette et on passe discrètement et on n'a pas besoin de se montrer. Je veux dire, on passe parmi les gens qui sont là tous pour manifester. La famille d'Ilan qui n'était pas non plus à la manifestation. Voilà. Voilà. Annie Lemoine. Bon, on aurait pu faire Perry Cochin et Elsa Fayard dialogue. C'est vrai. Eh oui. Eh oui. Comment on n'en a pas eu l'idée? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On va y participer de toute façon. Mais je ne suis pas sûre que vous auriez fait aussi bien. Il y en a une qui ne sait pas lire, l'autre qui dit des conneries. Alors. Non, mais c'est vrai qu'ici aussi, hein, voilà, on est entre toutes religions confondues. Ouais. Non, mais moi, j'aime ce livre. Je trouve que c'est un livre utile, même si je trouve que dans l'ensemble, on parle beaucoup trop de religion en ce moment. Oui. Mais vous appartenez toutes les deux à des religions différentes qui font des guerres. Enfin, on fait des guerres au nom des religions, chacune des deux. Dans chacune de vos religions, la femme a plutôt le mauvais rôle, on va dire. Les libertés des femmes sont restreintes. Donc vous avez beaucoup de points communs, en fait. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. On a essayé de cultiver justement ce qui nous rapprochait. Et on s'est aperçu qu'on n'avait pas tant de différences que ça. Et c'est ça qui était merveilleux. Déjà, ce qui est génial, c'est qu'on peut manger l'une chez l'autre. Notre viande est la même, quoi. C'est très intéressant. Moi, je mange chez n'importe qui, je m'en fous. Moi, je m'en fous de la façon dont on a tué le malheureux mouton que je vais bouffer. Mais si je dis ça, c'est pas seulement pour vous faire sourire. C'est parce que vous voulez en même temps la fraternité et vous voulez en même temps les racines. C'est-à-dire, on aime ses racines et on veut être fraternel. Ouais. Mais c'est les racines qui vous foutent en l'air. Ouais, laissez tomber les racines. Je suis pas les racines, les mais racines ne font que vous apporter, que vous apportez de la religion. Non, et la religion ne font que vous, ne fait que vous apporter de la guerre. Une fois qu'on sait ça, on sait tout. Mais les racines, c'est pas que la religion. Bravo, Pierre. Les racines, c'est pas que la religion. Les racines, c'est aussi les valeurs humaines. Mais alors, vos racines sont fausses, mademoiselle. C'est des belles valeurs universelles que j'ai apprises. Des belles valeurs universelles dans mes racines. Mademoiselle, mademoiselle. Les racines sont partout. Bien sûr, mademoiselle mais mes parents sont nés juifs, c'est pas de ma faute. Hein. Mademoiselle Catan, vos valeurs, vos souvenirs sont faux. Votre famille vient d'Alger, vous êtes né à Paris. Ouais. Moi, je suis né à Alger, à Oran, c'est pareil. Bon, je suis venu à Paris. Donc, mes souvenirs sont vrais. Cette fameuse fraternité judéo-arabe en Algérie, c'était merveilleux, est fausse. C'est totalement faux. Bah, on parlait la même langue. Peut-être que vous, on parlait vous la même langue, ça, l'arabe. Ouais, entre les juifs et les arabes, il y avait une sorte de méfiance violente, terrible. Bah, mais oui, mais on vous racontait ça. Ah, on vous racontait ça du 19e siècle.
où il y avait plutôt, c'est plutôt contre l'envahisseur français, quelque chose. Mais dès que les Français sont arrivés, ça a été une guerre terrible entre les Juifs et les Arabes. Ils ne se sont jamais aimés. Il y avait des vieux sages qui disaient oh, oui, le muezzin a le droit. Non, il dit le rabbin, c'est un saint homme. Mais je parle de ce que je connais alors que vous ne l'avez pas vécu. Moi, j'y étais pas, mais je trouve qu'il a raison. Je m'en fous de ma famille. Mon arrière-grand-mère, elle était habillée en arabe, elle parlait arabe. Mais la mienne aussi. Bon, excusez-moi, mais il n'y avait pas de guerre entre juifs et arabes à Alger. Mais c'est pas parce qu'ils étaient habillés pareil qu'ils s'aimaient. C'est pas parce qu'ils avaient le décret crémieux. Les uns et les autres crachaient quand l'autre passait. Bon, enfin. D'accord, vous parlez plus fort que moi, c'est vrai. Mais ça ne vous donne pas obligatoirement raison. Ah, ça c'est, bon, ça, hein, c'est plutôt tunisien, ça. Okay. Ça c'est plutôt tunisien, ça. Ouais, ça c'est, tu parles fort pour avoir raison, ou quoi? Elsa Fayer. Oui, non. Moi j'ai trouvé que c'était un joli livre parce que c'est un vrai premier joli pas vers la paix. Maintenant, c'est vrai que moi, en tant que juive, aujourd'hui en France, avec tout ce qui se passe, ça nous amène à réfléchir. Et moi, mon problème face à la communauté musulmane, c'est qu'il y a une montée de l'intégrisme, une montée de l'islam radical, et que j'ai le sentiment que les musulmans plutôt modérés ne se hissent pas contre cela, n'en parlent pas assez. Un musulman pratiquant n'est pas forcément un intégriste, n'est pas forcément... Mais ça, il faut le dire, mais c'est pas le discours qu'on voit dans les médias. Mais Elsa, c'est parce qu'il faut avoir une dose de courage et que le courage, c'est pas donné à tout le monde. Oui, mais aujourd'hui, vous l'actualité fait que mais ces choses existent et bien sûr et de que trop. C'est important. Mais c'est pour ça que toutes les deux, on a écrit ce livre, parce qu'on avait envie justement de mettre un peu le point sur la table et arrêter de faire des amalgames surtout. Mais c'est vrai que aussi la médiatisation aussi de certaines affaires font que des amalgames se mettent automatiquement face à nos yeux. Perry Cochin. Alors, même si je ne trouve pas que votre livre règle quelques problèmes que ce soit, j'ai envie de le soutenir. Et je ne porte jamais de bijoux. Aujourd'hui, j'ai mis ça exprès. C'est un collier qu'une jeune femme française, d'origine libanaise, c'est vrai, a fait. Elle vient de sortir ce collier où il y a les trois religions représentées. Ouais, c'est très bien. Parce que c'est un message de paix. Son collier s'appelle « Safe World and Peace », c'est-à-dire la paix, le monde et la sécurité. Et il faut porter des tongs pour le bouddhisme aussi. Hein. C'est quoi ça? Perry, c'est quoi cette haine du bouddhisme tout d'un coup? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, ça, tu vas changer le monde avec ton collier. Mais je vais pas changer le monde avec ce collier. Mais rigolade, pipponnade. Mais tu ne peux pas nier aujourd'hui qu'il y a un problème. En France oui, et ailleurs. Oui, dû aux religions. Absolument. Est-ce que vous trouvez que c'est normal pour des familles qui sont en France, qui sont censées s'intégrer, continuent à appeler leurs enfants Ahmad, Walid, Toufik et des prénoms. Encore, là, je vous donne des prénoms qui sont faciles à prononcer. Mais c'est pas gênant, parce que s'ils sont intégrés, ces enfants, c'est pas gênant. Mmh. Mais du fait de ce prénom, peut-être que ça pose un petit souci. Peut-être. Non, première pas. Question, comment, je pense. Comment, je vous pense. Avez, comment vous avez appelé vos enfants? Alors là, c'est pas Jean-Pierre, la peine que je dise. Non, mais comment Hippolyte, Hippolyte, vous Aristide et je sais plus. Théophile. Non, mais ce que je veux dire, moi j'ai épousé un homme d'origine chrétienne. C'est vrai que ça a posé des gros problèmes dans ma famille parce que mon père est croyant pratiquant. C'est pas une chose simple, non, mais il faut assumer ses choix. Si on croit en quelque chose, eh ben faut y aller. Jean-Bernard. Bon, il faut toujours qu'il y en ait un qui ait le mauvais rôle. Ça va être moi, comme d'habitude. Oh, c'est pas sûr. La France est une terre exceptionnelle. La démocratie, c'est quelque chose de très fragile. Mais la République, la chose publique, ça repose sur une chose très simple, c'est un accord sur un certain nombre de valeurs communes qui fait qu'on peut vivre ensemble. Les religions, c'est de l'ordre du privé. Ben oui, mais là, il y a quand même un vrai retour du religieux. Il faut en avoir conscience. Ça, c'est grave, d'ailleurs. Et c'est grave. Mais c'est très, très grave, et peut-être qu'il faut le dénoncer avec plus de violence. En tant que catholique, je vous demande maintenant... En tant que catholique, tu fermes ta gueule. Je vous demande maintenant de continuer ce débat en latin. Parce que ça commence à bien faire. Voilà. Christophe à l'évêque. Je vais enfoncer le clou sur les religions. Expliquez-moi, comment peut-on se revendiquer citoyenne et libre en se définissant en même temps musulmane et juive? Je ne comprends ça. Pas. Exemple. Alors Kenza, d'abord, sur la caricature qu'on a faite de Mahomet, c'est touché au sacré de l'islam.
C'est ça la liberté? C'est ça la citoyenneté? Attendez. Des mecs qui font une caricature et vous trouvez qu'on touche au sacré de l'islam? Et en plus, vous êtes d'accord que le CFCM a raison de porter l'affaire en justice? Mais c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire qu'on va faire un procès aux caricaturistes non, maintenant? Elle a, elle a, elle a, elle a, elle a parlé de la bombe. Non, mais elle l'a dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Bon, point. Ce que on fait ce qu'on veut, on dessine ce qu'on veut. Le seul truc que je dis, c'est que je pense que la liberté d'expression doit être intelligente et créative. Et à partir du moment où ça touche au sacré. Mais non, mais c'est important, c'est important. C'est de la pipoïne. Mais non, c'est pas de la pipoïne. La liberté d'expression, pour moi, elle est ou elle n'est pas. Mais vous avez c'est là que vous êtes en train de dire on a la liberté d'expression, c'est magnifique. Mais vous savez, si sauf ça... quand on fait des caricatures sur Mahomet. Non, je vais vous donner un exemple. Si on avait caricaturé Ben Laden, ça m'aurait pas gêné. D'accord. Par contre, bon, heureusement, mais bien sûr, heureusement. Oh, quelle ouverture d'esprit. Attendez, il y a des caricatures non, sur non, le pape êtes... tous les trois jours. Mais... Tout le monde s'en fout. Mais on n'arrête pas de faire des plaisanteries ignobles sur le pape. Sur les juifs tout le temps. Et hein, tout le monde s'en fout. Pardon de le dire. Tout le monde ne s'en fout pas quand il y a des caricatures sur le pape, parce qu'il y a des tas de catholiques qui restent encore aujourd'hui choqués quand on fait des caricatures sur le pape. Mais en tout cas, on a le droit de les faire. Elles sont pour la plupart du temps, quand les directions des programmes nous laissent les diffuser. Pour l'instant, c'est le cas, mais ça n'a pas toujours été le cas non plus, il faut le dire. Non, mais surtout, ils ne vont pas dans la rue brûler des ambassades. C'est ça le problème. Mais ça, je suis contre. En tant que musulmane, je suis contre. En tant que française, déjà, je suis contre d'aller brûler des ambassades. Le seul truc, c'est que faire la... Il est dur, hein. Il est dur. Non, mais faire l'amalgame entre Mahomet, qui est quand même le prophète, et mettre justement une bombe sur le turban, ça veut dire en gros terrorisme égale Mahomet. Je suis désolée, c'est faire un gros amalgame. Non. Et c'est aussi. Non, c'est vous c'est qui aussi faites. N'importe... Mais non, non, vous faites un procès. Non, c'est vous qui faites ça. C'est un procès d'intention. Le dessinateur a tout simplement voulu montrer par ce dessin que oui, c'est vrai, c'est comme ça, on les entend, on le sait, le Ben Laden le premier, les terroristes, au nom de Mahomet. Ah, tue et commettre des attentats. Donc qu'un dessinateur montre Mahomet avec une bombe, eh bien oui, ça veut dire ça et rien d'autre. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des terroristes, mais ça veut dire que les terroristes, au nom de Mahomet, tuent et commettent des attentats. Donc ce dessin, il n'a rien d'offensant. Alors voilà, il fallait mettre une phrase en dessous, alors. Oh, il faut faire une explication de texte. Une explication. Pour moi, être français, c'est être libre, citoyen et laïque. Oui, ça veut dire vous quoi êtes, vous êtes athée. Ça veut dire que moi, par exemple, à la place de deux femmes en colère, juives, musulmanes, citoyennes et libres, j'aurais mis deux femmes en colère, ni juives, ni musulmanes, enfin libres. Allez, ça s'appelle « Deux femmes en colère ». C'est préfacé par Marek Alter, c'est chez Ramsay, juive ou musulmane, citoyenne et libre, Kent Abraïga et Olivia Catan. Merci à toutes les deux, c'est pas facile. Nous allons maintenant accueillir sur ce plateau celle qui a réussi le tour de force, que dis-je, l'exploit, de faire marcher Caroline Diamant plus de 10 minutes sans s'arrêter, de faire courir Elsa Fayer et parfois même de faire taire Stevie. Elle s'appelle Céleste Candido. C'est elle qui organisait ces fameux séjours jeunes et randonnées en Bretagne. On avait lu ça dans Libération. On avait eu l'idée d'inscrire Elsa, Caroline et Stevie dans cette randonnée où il fallait jeûner, boire du bouillon de légumes, se faire un lavement de temps en temps, enfin, se purifier le corps, l'esprit et tout le reste. Lundi, on vous a montré le premier épisode des aventures de nos trois chroniqueurs qui sont partis faire cette randonnée avec notre invité. Faisons venir tout de suite celle qui publie l'ABC du jeûne chez Grancher Éditions, Céleste Candido, accompagnée par Caroline et Stevie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que vous, vous les avez eu une semaine, même pas 4 jours, combien de jours exactement? 4 jours. 4 jours, voilà, 3 pendant 4 jours. Mais moi, regardez, j'en ai une trentaine, mais tout le long de l'année. Comment c'est possible? En jeûnant, finalement, je devrais peut-être faire comme vous, jeûner pour retrouver mon esprit, mon corps. Bah, non. Ça aide. Ça aide. Ah, ça aide, ça centre. Hein. J'ai faim, madame, j'ai faim, moi. Mais moi aussi, ouais. Quand je ne mange pas. Bon, est-ce qu'ils ont bien suivi vos préceptes? Ah, très bien. Ah, très bien. Tous les trois, très bien. Différemment, hein. Regardons les images, le deuxième et dernier épisode de la randonnée de notre trio. J'ai
j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Oui, non, mais pas... Aujourd'hui, je pense que le yoga, perso, j'ai un mot de ma mère. Pour la randonnée, j'ai un deuxième mot d'excuse. Et ici, j'ai l'impression que les gens, ils vivent pas, quoi. Ils sont en suspens. Ils se font du bien, mais ils sont en suspens. J'ai horreur d'être suspendu. Je vais voir si je vais tenir jusqu'à ce soir. Moi, je dis un repas par jour, il n'y a pas mort d'homme. Avec moi, si je craque, ça me donne meilleure conscience. Joyeux anniversaire, Stylie. C'est quoi? Pour ton anniversaire. Oh, la salope. La pute. Mais c'est pas vrai, t'as pas fait ça, mais t'es hard. Bon, bah sur ce, j'ai faim. C'est un peu pervers quand même de la part d'Elsa, mais elle s'est fait du mal aussi. Mais en même temps, faut savoir résister en fait, c'est ça. Comme c'est l'anniversaire de Stylie, ouais. On s'était dit qu'éventuellement une petite entorse au règlement ne serait pas de trop. Écoute-moi, maintenant que je me suis tapé, j'ai encore mal à la tête, pratiquement 2 journées de maux de tête. Si c'est pour arrêter là, vraiment, j'aurais l'impression d'avoir fait ça pour rien. Tout à l'heure, j'étais prête à craquer et non, je crois que je craquerai pas. Parce que c'est trop dommage, en fait. C'est pas que c'est mauvais, je me suis juste brûlée. Ouais, mais je m'en fous, il y a Elsa aussi. Regarde. Oh, non, je ne suis pas là. Ce n'est pas moi. C'est comme si on jeûnait toujours, en fait. Hein, c'est vrai, Elsa. On jeûne, mais en mangeant. C'est un nouveau jeûne. Oh là là, c'est trop faim. Mais je tuerais ma mère tellement j'ai faim. Joyeux anniversaire. Ah bah merci. Je vais me faire engueuler si j'ai pris des pots. T'es furieuse, non? Non, 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 je suis pas furieuse. Je suis pas furieuse. Et toi, de toi, je suis dessus, je vais te dire. J'ai pas trop fait la morale à Stevie parce que c'était son anniversaire et puis je comprends. Hein. Mais Elsa, là, j'étais un peu déçue. J'ai tendance à penser que la nana sont toujours beaucoup plus costauds, qu'elle traverse tous ses problèmes, sont sans flancher. J'ai été une vraie merde, si c'est ce que vous voulez entendre. J'ai été une vraie merde. J'ai été une vraie merde. Est-ce que tu nous as pensé à nous hier soir? Est-ce que tu nous as détesté très fort? Ah non, je vous ai pas détesté du tout, honnêtement, je vous ai compris. Tu vois, mais moi, je me suis dit, aller au restaurant sans bouffer, c'est impossible. Moi, je vais un peu des ragots, Elsa. Excuse-moi, mais t'es pas au point dans ton rapport. Céleste a dîné avec vous, qu'est-ce que vous avez appris? Moi, franchement, le scoop, c'était qu'elle mange des frites. Son corps est finalement un petit peu une poubelle. C'est un moche, peu comme le mais moi, tu vois... Et sinon, non, on a reparlé encore nutrition. Alors, on s'est dit que... C'est-à-dire, pendant qu'elle mangeait ses frites, elle vous disait... Attends, je te jure. Surtout, tu mets des légumes dans ton wok. C'est une femme qui est à l'opposé de ce que je suis. Et je pense que mon opposé à moi a plus de tolérance pour ce qu'elle est elle que son opposé à elle n'a de tolérance pour ce que je suis moi. C'est ça, voilà. Il faut garder quelques minutes, hein. Hein? Quand tu vas commencer à saliver, tu vas le sentir et prête à la bouche. Et tu sais, ce qui va sortir ta bouche est tellement dégueulasse, limite, il faudrait le mettre dans la poubelle, même pas là-dedans. Hein? Parce que ça va aller dans les tuyaux et puis ça va polluer toute la nature. C'est pas que ta bouche est très sale, c'est pas ça. Mais ce qui en sort est terrible, vraiment. Ceux qui devaient se faire faire un clister. Vous pouvez nous expliquer, parce qu'on comprend pas trop. Mais c'est l'hydrothérapie du côlon. Donc... Eh bien, afin de dégager tout ce qui est resté coincé depuis des années dans le côlon, comme nous a expliqué Céleste, eh bien, il y a une hydrothérapie du côlon. Ton nettoyage du côlon, t'étais inscrit? Tu vas plus? Ah, bah alors il y a des places à prendre. Tu veux plus te faire nettoyer le côlon? Je pisse de l'eau. Oui, mais c'est pas là qu'on va. C'est pas là? Oui, mais c'est pas là, c'est le côlon. Je pisse du cul. Ah oui, d'accord. C'est mon meilleur carnet de notes. J'ai jamais eu autant de bonnes notes de ma vie. J'ai pas été un élève sérieux, certes, mais j'ai quand même perdu 1 kg de graisse. Et toc!
Bah écoutez, je me sens super bien, je m'y attendais pas, j'ai perdu 15 kilos et puis ça se voit quoi. Je dois être vraiment honnête, faut que je reconnaisse quelque chose. J'ai l'impression qu'Elsa me regarde différemment depuis que j'ai perdu ces 15 kilos. Je sais pas, je m'en rends pas compte, mais je vois que j'ai exactement la même silhouette qu'elle et quelque part je sens que ça la dérange. C'est vous ça ? Ah oui ! Bon, alors finalement, c'est une bonne expérience. Vous recommencerez, Caroline? Écoutez, j'ai perdu 4 kilos, je les ai repris, tout va bien. C'est pas religieux, votre histoire, du tout, hein? Non, c'est pas religieux. C'est pas religieux. C'est vraiment pour se dire, on repart à zéro, on revient... On se nettoie. On se nettoie. On se détoxine, on se purifie le corps, c'est vrai. Et le colon, personne ne l'a fait, alors? Caroline? Il faut leur poser la question. Caroline? Oh, tu peux le dire. Elsa et Caroline. Caroline, la balle au bon. Non, mais si, on l'a fait. On l'a fait. Honnêtement, c'est il y a toute une spiritualité dans le colon, c'est-à-dire que la personne qui vous nettoie le colon peut vous dire exactement quels ont été les moments de votre vie difficiles. Non, mais c'est pas... Il y a Christophe Colon qui est en train de se marrer. Il faut dire d'abord qu'on a fait ça au sein d'un groupe. Il y avait donc une dizaine de personnes en plus de nous et que ces personnes viennent de leur propre gré, contrairement à nous. Et que vous êtes revenus enceintes. Non, mais qu'ils sont contents de le faire. Ils y vont pour se nettoyer. Et c'est vrai que, voilà, est-ce qu'on n'a pas un teint divin c'est avec vrai. Elsa Le teint a changé, la peau est plus douce. Non, mais sans rire, on a marché, non, on a crevé de faim. La peau plus douce, ça ne voit pas, je ne l'ai pas vraiment senti. Mais il y a des résultats. Un mot de Stevie. Ben, moi, j'ai adoré. J'ai adoré ça et tout ça pour vous dire que je prends ça très au sérieux. Mais regardez Céleste. Céleste, tu veux bien te lever? Juste deux secondes, oui, s'il te plaît. Céleste, levez-vous. Ouais. Cette femme est incroyable. Levez-vous. Je vais dire ton âge, Céleste. Je m'en fous, je le dis. Oh, Céleste a 52 ans. Voilà. Regardez c'est pas vrai. Son ouais. corps. C'est pas vrai. Elle a 52 ans, Céleste. Oh là là si là vous là voulez, là le oh fait là de là jeûner, là si vous voulez, l'appareil digestif demande tellement d'énergie au corps que quand vous vous mettez à jeûner, vous avez un surplus d'énergie. Annie, et ce surplus d'énergie... À force de se taper des jeûnes. Non, mais attends. Ce surplus d'énergie, il va aller dans le renouvellement cellulaire. Bien sûr. Ah oui, le jeûne rend jeûne. Non, mais vous... Oui, écoutez, mais oui. Moi, je m'en fous. Moi, vous m'avez convaincu. Et en plus, avec ce stage, je me suis fait une amie. Christophe, un mot. En un mot, celui qui va me faire bouffer des jus de fruits, un bouillon de légumes sans légumes, et puis quoi, une tisane au miel... Faire 10 km à pied et puis le dernier jour se faire carcériser l'anus. Et bien celui-là, il n'est pas né, croyez-moi. L'ABC du jeûne, pour en savoir plus, Céleste Candido, là voilà, au moins on aura toutes les réponses peut-être à nos questions, si vous avez des questions là-dessus. Et en tout cas, j'en inscris 3 autres pour l'année prochaine, je vous enverrai les noms. C'est chez Grancher, l'ABC du jeûne, Céleste Candido. Restez, voici venir quelqu'un qui va nous donner quelques produits, peut-être bons pour la santé aussi, ça vient du Salon de l'agriculture, et lui s'appelle Jérôme Bonaldi. Non, 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 non. Le salon de l'agriculture sur le signe de l'innovation. L'innovation au service de la tradition. L'idée est toute simple. Il y a un type qui utilise... Mais oui, il y a un type qui utilise cette fourche, d'accord, et qui met derrière les vieux sièges de tracteurs qu'on avait avant. Oui. Et ça, c'est super top mode branchouille. C'est-à-dire que vous êtes dans pleine campagne, dans un parc, ombragé, vous voulez faire la causette, vous prenez votre fourche, hop, voilà. Vous le mettez comme ceci, hop. Et voilà, et vous asseyez. Génial. Et ça ne bip pas la tête. Et la tenue alors de camouflage? Alors la tenue, normalement, vous ne voudriez pas me voir. Ah, c'est un truc... Éteindre. Attendez, regardez, je vais essayer de me camoufler, bougez pas. J'enlève la fourche, voilà. Là. Là, vous ne me voyez pas. Mais t'es devenu fou. Là. Mais comment ça? Expliquez-moi. Mais il est où, Jérôme Bonaldi? C'est un truc pour aller dans la forêt. Premier avantage, le chasseur vous voit. Une biche orange, c'est rare, donc il ne va pas vous tirer dessus. Or, il arrive malheureusement que quelquefois, les chasseurs, un peu débutants, tirent un peu sur tout ce qui bouge. Si quand même vous êtes en orange, là, il ne faut pas charrier quand même. Alors donc, ce n'est pas du camouflage. En revanche, les cervidés, ce que voit une biche, elle voit un peu comme en noir et blanc, elle est comme daltonienne. Regardez. Et regardez, là, je suis un peu planqué, vous voyez, on me voit à peine. Et ça, tac, elle voit les contrastes en fait. Alors, il suffit que le fond soit... Passez-moi un fusil qu'on vérifie. Regardez, elle voit un peu comme ça. Ça vous permet, si vous faites un safari photo, de surprendre la biche
le fend, le petit Bambi, sans le gêner, sans l'embêter. C'est simple, c'est de bon goût. Donc et ça je, va le note, à... je le note, prochaine randonnée, Bonaldi. Hein. Voilà. On va tester, on va tester. Vous revenez vendredi? Avec des tas de produits bizarres. Retournez au salon de l'agriculture, merci Jérôme Bonaldi. Au revoir. Restez avec nous Céleste. Ils seront 8 à jouer, j'ai besoin d'une aide pour arbitrer de qui a vu qui a vu quoi. Regardons tout de suite très vite le classement. C'est Jean-Luc Lemoyne qui est repassé en tête avec 17 points, devant Stevie 15 points. Annie n'est pas très loin derrière avec 13 points. Jean-Bernard Hébé et Christophe Alavec sont dans une bonne moyenne, Alavec, pardon. Et, non, je voudrais pas prendre une baffe. Et puis, vous avez en queue de classement Pierre Bénichou, 2 points, Perry Cochin, 3, Elsa, c'est pas si mal, 5 points. Enfin, ouais. Première photo. De qui s'agit-il? Bien sûr, je parle du visage flouté. Mais, François Hollande. Mais ouais. Non, pas du tout. Le Premier ministre Villepin, on lui met un, on lui met un béret sur la tête. Pas du tout. Non. C'est... De Neria, c'est le maire de sa... C'est, attendez. C'est Jean-Claude Thuis. C'est le champion olympique de Neria. Oui. Voilà. Celui qu'on voit. Il met une casquette. Au maire de Morillon. Alors, soit au maire de sa papa. Commune. Non. Non. Alors, à Jean-François Lamour, le ministre des Sports. Excellente réponse de Caroline Diamant. Photo suivante. Il devrait pas être là normalement. C'est toi. C'est honteux, Laurent. Photo suivante. C'est le fils de Madame. Eh ben ça, c'est Jean-Louis Aubert. Pas du tout. Non. Georges Moustaki. Non. Raphaël. Non. Carla Bruni. Non. Cabrel. Non. Agnès Jaoui. Alain Souchon à l'Olympia. Alain Souchon à l'Olympia. Excellente réponse. Allez, une dernière photo. Oh, Annie Lemoyne. Attendez, qui est le fiancé d'Annie Lemoyne? Pierre Bénichou. Le nouveau fiancé d'Annie Lemoyne. Je sais pas, Annie, dis-le moi. Je sais pas, il y en a tellement. C'est pas Vermus. Non. Il est bien Bernard habillé. Montiel. Ah, il est encore bien Bernard Montiel, excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo Caroline, vous êtes la meilleure. L'ABC du jeune, Céleste Candide, c'est chez Grancher. Merci à vous mademoiselle, à demain. Merci.